Gamer les Cléautre. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Présentage, présentation achat notice PS2. Oui, j'ai eu de la super chance aujourd'hui. Je suis retourné à l'endroit où c'est les trucs de brocante. Et vous allez pas en croire, j'ai réussi à enfin trouver. J'ai trouvé la notice Tony Hogdovilley Village. Super. Pourquoi super Je vous explique. Ça fait longtemps que je cherchais le jeu Tony Hogdovilley Village. Voici le boîtier vide je vous mens pas, vous vous souvenez très bien, je vous avais fait une vidéo dessus où je vous ai présenté que j'ai réussi à avoir le boîtier pour 20 centimes je m'en rappelle très bien et là aujourd'hui j'essaye de fouiller de l'endroit jeux pc euh, dvd et pochette de dvd alors des jeux bien sympathiques une histoire pit Carbone édition collector on the matrix euh, Grand Turismo et plein d'autres jeux. Malheureusement, il n'y avait que 4 Tony Hawk d'Ovily James. Mais, quand je les ai ouverts, beaucoup de déceptions. Je vous explique pourquoi. Alors, premier, pas de notice Tony Hawk d'Ovily James. À la place, il y avait Driver 3, état du rayé rayé. Deuxième Tony Hawk d'Ovily James. Tony Hawk Project 8, état du CD correct, quelques rayures. Troisième Tony Hawk Dooley James, le jeu Grand Turismo 4, état quelques rayures. Pour le quatrième, le jeu Time Crisis PS1 Namco, état trop de rayures. Et dans le dernier, la notice Tony Hawk Dooley James tellement j'étais surpris j'ai posé la question pourquoi tant de Tony Hawk, de Wii ils m'ont répondu c'est des gens c'est des jeux qu'ils étaient là les gens ont regardé les jeux ils ont mélangé les boîtes sans faire exprès des jeux et ils disent que c'est courant donc en gros la personne elle regarde le jeu si elle lui intéresse elle le prend et en général les gens ils voient que que c'est savent pas en fait souvent les gens ils mettent pas les jeux dans les bonnes boîtes ils regardent des jeux quand ils ont fini de regarder, ils mettent dans une boîte qui est proche de eux en fait. Ils pensent pas à mettre dans la bonne boîte. Du coup, c'est pour ça qu'il manquait dans les 4 Tony the 2 bah, le jeu en fait. Voilà donc il y avait Driver 3, Time Crisis et Gran Turismo 4. Le nice sport carbone en édition collector m'a fait tenter de le prendre. Je ne l'ai pas pris. C'était à 2€. euros. Le CD est en super état. Seulement les traces de doigts sur le deuxième CD. Parce que c'était pas mon but précis. Je voulais pas un histoire pit carbone. Moi j'étais intéressé par Tony Hawk Dovile Jam. Donc s'il y avait eu le jeu à l'intérieur, comme ma boîte est en très bon état et que les autres boîtes étaient en bon état, moi c'est juste le CD que j'aurais acheté. Comme il le vendait 2€, s'il y avait eu Tony Hawk Dovile Jam à l'intérieur, j'aurais pris pour euro. Bah oui, je prends juste le CD, pas la boîte. C'est normal que je propose 1€. Ah, euh, il y avait, j'ai cru voir aussi l'adaptateur réseau Ethernet PlayStation 2. J'ai cru. Hein. Vous savez, là où il y a les PS2, il fait un peu noir dans ce placard. Pas trop de lumière, des vieilles lumières, donc difficile de voir. Mais, comme je l'explique, c'est pareil. Tout ce qui est à l'arrière des consoles, que ça soit un câble, que ce soit une carte mémoire, une manette, un accessoire de jeu, tant que c'est inséré, il ne le vendra pas. Voilà, j'ai tenté. Il m'a dit non, c'est posé à l'arrière. Ça se vend avec la console au prix fixé. Donc 40 euros pour la PS2 avec l'adaptateur réseau Ethernet PlayStation 2, une manette Micromania, PS2, les câbles et une carte mémoire pour 40 euros. Moi, je vais vous dire honnêtement, je ne mettrais pas 40 euros juste pour un adaptateur, un adaptateur réseau Ethernet PlayStation 2 que j'ai cru voir, cru, hein parce que c'était gros à l'arrière. Donc peut-être, ou peut-être pas. Des fois, je regarde. Mais je vois pas très bien. Dans le sens où, genre, comme il n'y a pas trop de lumière à cet endroit, c'est difficile de voir. Parce que c'est caché derrière par un truc marron. Et comme on n'a pas le droit d'ouvrir. Enfin, on peut ouvrir pour regarder le produit. C'est autorisé. Mais c'est pour ceux qui vont acheter le produit complet. Et non une carte mémoire. Exemple, vous voyez une GameCube. Vous vous êtes intéressé par la carte mémoire. Si elle est insérée dedans. Bah voilà quoi. Vous avez compris. Si elle est présentée dans les trucs avec les barrettes de RAM et tout ça, c'est faisable. En général, je pense qu'une carte mémoire Gamecube ou PS2 ou autre console, il vous la fera à 4 euros. Voilà. Il vend des barrettes de RAM PC portable à 5 euros, à 4 euros, à 3 euros, à 1 euro des fois. Mais là, c'était Tony Hawk de Village Game, Donc, ma grosse déception, c'est de ne pas avoir eu le jeu. Bah oui, forcément. Si vous êtes... Ça peut être à plein de monde. Il y a des gens, ils voient... J'ai vu une personne aussi regarder des jeu PS2, une fois. Il avait vu... Comment s'appelle le jeu déjà ouais, GTA 3. Voilà, un classique que des gens connaissent. Il ouvre la boîte. Vous savez ce que c'était à l'intérieur Ça m'a bien fait rire. C'était pas GTA 3, mais c'était le jeu de Donald sur PS2. Oui, le jeu de Donald sur PS2. Je sais plus comment il s'appelle, j'oublie le nom. Et le mec a dit, mais c'est pas GTA 3, est-ce que vous avez GTA 3 On lui a dit ce jour-là. Bah en fait, non, euh, les gens ils regardent les jeux, ils les mettent dans des boîtes au pif. Euh... Ils savent pas, ils rangent comme ça vite fait, ils trouvent des jeux, ils les remettent dans les boîtes pour éviter que ça traîne. Ok. Mais bon, c'est pas grave. J'ai eu Tony Hawk de Village Je suis super content. Mon but sera de trouver le jeu. Donc c'est parti. Let's go. On va une gramme. Humgride, mon Tony Hawk de James. Voilà. Il ne manque plus que le CD à trouver. Donc, faisons un récapitulatif. La boîte, je l'ai achetée il y a un an. Je suis revenu... Moi, bon, il y a un an, je l'ai achetée. Donc, en un an, j'ai trouvé... La notice. Donc, si on suit la logique, dans un an, peut-être que je trouverai le jeu. Bon, je sais très bien où le trouver, où aller pour l'acheter. Mais... À Paris, un vendeur voulait me le vendre 40 euros. Le jeu Tonyok Jam, 9 sous blister. Et je lui dis, non, c'est trop cher pour moi. Je ne peux pas mettre 40 euros pour un jeu PS2 aujourd'hui. Je préfère mettre... 2 euros, 3 euros, 4 euros. Ah, ça dépend de l'état du CD en fait. Je sais, il est neuf sous blister, il y a la notice, il y a tout. Mais moi, c'est juste pour jouer avec. Donc 40 euros, ça m'est inutile. Quelqu'un qui veut collectionner, enfin, quelqu'un qui aime bien avoir des trucs sous blister, c'est bien. Mais moi, moi, après, je vais le déblister, je vais jouer avec, je vais m'amuser avec pendant des heures. Donc, voilà. Puis franchement, Antonio Gdovigliam, c'est pas un jeu hyper coté non plus. Je pense qu'il doit valoir 4-5 euros aujourd'hui. Mais bon, comme quoi, il y a des déceptions parfois. Et en plus, je l'ai trouvé sous une pile de DVD. De DVD, c'est pour vous dire, ils étaient mal rangés. Et en fait, c'est qu'il a un rayon jeux vidéo. Donc en haut, c'est PS2, DS, et oui, en bas, c'est Xbox, Xbox 360, PS3. Et tout en bas, vous savez ce que c'est PC. <laughs> PC. Genre le PC il est tout en bas. Ouais les jeux PC. Quand je dis jeux PC c'est les, les Sims, les Sims, les Sims, encore les Sims. Genre les jeux d'aventure, genre les Prince of Persia. Des jeux qui ne font pas grand-chose aujourd'hui. Des jeux PC qui valent 1€, euro, les Reman Éducation, les choses comme ça. Les jeux de collection si vous préférez. Donc euh, ouais pour ceux qui recherchent des jeux PC là-bas ils en ont plein. Je dirais. 70, 80, 100 peut-être, je sais pas ils en ont plein. Et ce qui est bizarre, enfin moi c'est pas bizarre mais les jeux PC, j'ai vérifié tous les jeux PC sont dans les boîtes. Les seuls jeux qui sont mélangés, c'est en général que les jeux PS2. Oui, ouais oui et PS2 c'est mélangé parfois. Bon bah voilà, hein. c'est une petite présentation que j'ai récupéré ce jeu, je l'ai payé 1€ euro. donc je suis super content de mon achat, 50 centimes il voulait pas. Il m'a dit c'est une notice quand même. Il ne voulait pas parce qu'il vendait déjà 2 euros le jeu. Avec la boîte. Et moi j'ai dit la notice 1 euro. Et 50 centimes, il ne voulait pas. Donc je suis super content. Maintenant j'ai la notice Tony Hawk de gem Mon prochain défi avoir le jeu. J'ai déjà vu des gens qui le vendaient sur eBay dans mes souvenirs. À 4,99€. euros. Le jeu sans notice. Il montrait que l'arrière du CD. En deuxième photo. Bah, c'est normal, faut bien montrer l'état du CD. En général, s'il si est trop rayé, les gens l'achèteront pas. S'il si n'a que trois rayures, ça passe. C'est ce que je me suis dit dans ma tête. Parce que plus le CD est rayé, plus la PS2 aura du mal à le lire. Peut-être, hein. On sait pas, hein. Peut-être qu'il y a des CD qui ont 90 rayures et qui fonctionnent toujours. On sait pas. Moi, je sais que mon CD qui a le plus de rayures, il en a 77. Même s'il fonctionne encore. J'ai de la chance. J'ai de la chance. Peut-être qu'un jour, il fonctionnera plus. Mais c'est pas grave. C'est que des jeux. J'essaie de faire attention à un maximum à l'état. Parce que moi, en général, quand je vois qu'ils sont rayés, bah, je négocie le prix à 1 euro. Et là, les jeux, ils donnaient pas envie parce qu'ils avaient des rayures circulaires, des rayures, des griffes. Vous savez, les rayures genre bizarres là qui font des tours en rond. Bah voilà. C'est ça en fait, les rayures qu'il avaient. Ça ne donnait pas envie. Bah ouais, on ne sait jamais. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour l'achat de notices qui complètent ma boîte Tony Hawk de J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que l'un jour, je vais un tour là-bas pour voir s'ils ont de jeux. Mais bon, il faudrait que je fouille les 500 jeux qu'ils possèdent, et je donnerai pour des heures, des heures, et des heures, et des heures, sachant que juste fouiller pour un Tony Hawk de Jam, vaut mieux attendre. Voilà. Oui, parce qu'ils ont beaucoup de jeux, et ils ont une armoire remplie de jeux et DVD et VHS, et ça prend énormément de temps. Et avec combien de temps j'ai mis pour trouver ça 10 minutes. 10 minutes. Donc, euh, je vous imagine pas, hein. J'ai toutes les boîtes pour vérifier s'il n'y a pas Tony Hawk de Tony Octavy IGM. Ça tombe, quelqu'un l'a acheté. A dit ouais, je vous propose un euro, je ne suis pas intéressé par la boîte. On ne sait jamais, hein. Il peut se passer tout. Les gens peuvent acheter tout. Il suffit juste de demander avant. Voilà, j'espère que le... cette vidéo vous aura plu. Likez, partagez, abonnez-vous. C'était Alexire intro gamer Ciao Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout.